Wesh 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 les potes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un tuto de comment comment avoir débloqué le exquisite sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie. Donc voilà, déjà il faut appuyer carré ici sur la table pour faire voler les vaisseaux. Ok. Donc ensuite, il va falloir faire tous les éléments des pistolets laser. Donc vous allez à chaque piège. Donc le premier, moi, que je vais faire, c'est ici à la fusée. Donc vous voyez, il y a le vaisseau. Il va falloir alimenter le vaisseau, donc enfin pour qu'il change sa trajectoire, il va falloir activer le piège et tuer une trentaine de zombies. Donc n'hésitez pas à compter le nombre de zombies, hein, parce que si maintenant vous êtes en fin de manche et que vous en avez 29, ça sert à rien de tuer des 29, faites-vous des points au mieux de faire le piège, arrêter d'activer le piège et tuer les 29 zombies, parce que ça ne se cumule pas, il faut vraiment 30 zombies d'un coup en un seul piège. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Peut-être qu'il en faut 20, je sais pas, on va voir. Hein. 20 ou 30 quoi. 17, 18, 19, 20. Là, il y en aura 20. On a peut-être un. Encore un. Moi, je crois que j'en ai une bonne vingtaine. Là, hein. Je crois que là, ça devrait être suffisant. Mais il n'y en a pas 30, c'est sûr, il n'y en a pas 30. Donc, vous activez le piège. Vous faites gaffe, vous passez sur le côté droit ici. Et là, la soucoupe n'est déjà plus là. Regardez, elle est là-bas. Donc voilà. Ça, c'est pour le premier piège. Donc je vous dis à tout de suite pour le deuxième piège. Parce que là, il me faut plus de thunes, donc on va faire un peu d'argent. Donc pour le prochain piège, c'est à la salle d'arcade. Donc là je viens d'ouvrir. Il vous faut 750 points en plus, hein, minimum pour activer le piège. Donc ce sera ce piège-ci. Donc là, le dancing, qui fera bouger la trajectoire de ce vaisseau. Et en fait, j'ai oublié de vous dire. Donc au début j'ai activé les vaisseaux en rentrant dans le pack à punch. Et pour rentrer dans le pack à punch, en fait, il va falloir activer les 4 TP comme ça. Donc il va falloir l'activer ici et il faut passer dedans absolument dans les 4 pour pouvoir aller au pack à punch. Oula. Ouh, j'ai eu chaud. Donc voilà, après quand vous avez fait un bon petit pack, vous activez le piège. Hein. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, une vingtaine de zombies en fait il vous faut. Et si vous voulez, si vous vous mettez ici, les zombies ne vous toucheront jamais en fait. Parce que parfois les zombies avec ce piège, ben, ils sont pas tous attirés, ils sont attirés par vous. Donc faut bien se mettre ici dans le petit coin, comme ça vous êtes sûr de que les zombies ne vous toucheront pas, ne viendront pas sur vous et iront directement dans le piège. Ça c'est une petite astuce. Donc voilà, là la trajectoire du vaisseau est en train de changer. Donc ça veut dire que ça a bien marché. Donc vous voyez, elle monte au-dessus, normalement elle ne monte pas, elle fait que le tour de ce piège-ci, donc voilà. Alors là, on va aller activer l'autre piège. Donc je vous dis à tout de suite pour le prochain piège. Donc voilà, pour le prochain piège, c'est au croco, donc c'est ce piège-là, le chromosphère. Donc vous allez au croco, hein, vous paquez un peu. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de zombies, donc c'est bon, je vais pouvoir aller activer le piège. Donc là, vous l'activez, hop. Il faut un petit temps avant que ça s'enclenche. Voilà. Après, vous vous mettez ici et les zombies ne vous toucheront pas. Ok. Là, vous voyez que ça aspire tout. On fout une vingtaine de zombies et ce sera suffisant. Bon, peut-être qu'il y a plusieurs. Vous voyez, la soucoupe, elle a déjà bougé de place. Donc, dès qu'elle bouge de place, vous restez pas, hein, vous bougez. Hop. On voit bien qu'elle change là, elle passe dans la gueule du croco et tout. Donc c'est nickel.
Donc ça c'est le troisième piège, donc je vais vous montrer le quatrième piège, mais je vais finir la manche, donc je vous dis à tout de suite pour le prochain et dernier piège, parce qu'il y a 4 vaisseaux, donc voilà, à tout de suite. Donc pour le prochain piège, il se trouve ici au pôle Afrique, hein, donc près de la boutique de souvenirs, vous enclenchez le piège ici, et là vous allez voir, il y a un vaisseau lumineux, et vous pouvez passer en dessous. Hein. Oula, j'ai eu chaud. Parce qu'en fait il y a le gros balèze aussi, donc il m'a foutu un petit coup. Il a fait une niquer. Ah ouais, il monte par là aussi. Mais... on va voir si le vaisseau il a bougé de place ou pas. Ouais, il bouge de place. Donc là c'est bon, on a eu nos 20 zombies dans le piège. Donc là ça fait les 4 pièges. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est avoir 600 tickets. Donc moi je les ai, parce que j'avais déjà fait 300 tickets en faisant la tête du robot, et j'en ai refait un peu dans l'arcade, puis j'ai fait un petit peu de trucs, enfin voilà, j'ai su avoir les 600 tickets. Donc là j'ai acheté un noyau obscur, donc rien qu'avec 600 tickets c'est le minimum qu'il vous faut. Donc j'ai su acheter un noyau obscur à mon petit gun, mais mon petit gun c'est un petit gun de base, hein. Donc il va falloir que je l'améliore, donc pour ça je vais faire 5000 points. Mais avant ça, il faut que je vous montre un truc. Donc déjà, on va défoncer ces zombies. En attendant que le gros il arrive. Donc le voilà. Donc ce gros là, il va falloir le faire passer dans la gueule du croco. Donc c'est pas très compliqué. Hein. Vous mettez là, hop, vous tournez. Regardez, hop, le piège s'est activé. Ah non. On n'a pas réussi, on va recommencer. Eh bien mon petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on bouge. Et voilà. Voilà. Les dents elles sont cassées. Donc ensuite vous tuez ce gros là. Faites attention à son laser parce qu'il est meurtrier. Allez mon petit meuf. Vous voyez, il a beaucoup de vie, mais sinon il fait pas mal. Hein. Il fait pas super mal. Hein. À côté, on va pas s'en plaindre. Hein. Il a pas envie de mourir. Il a vraiment pas envie de mourir. Regardez, il m'a foncé dessus, il m'a même pas tué. Voilà, il est mort. Enfin. Donc ensuite, vous allez à la salle d'arcade. Donc il vous faut 300 tickets. Hein. L'arguileur, il est pas content, j'ai tué la brute. Elle est pas content. Donc vous allez au comptoir dans la salle d'arcade. Vous achetez les dents. Hop. Vous retournez au croco. Vous mettez les dents du croco et ça ouvre cette porte là. Donc là je vous dis à tout de suite, pour la prochaine étape. Donc voilà. Donc voilà, quand vous avez fait 5000 points, moi ce que je vous conseille c'est de mettre le noyau obscur sur votre petit gun du départ. Donc le gun il s'appelle le Kendall 44, moi je l'ai personnalisé. Et vous améliorez cette arme, vous allez voir, cette cheatée. Hop. Bon, par contre, moi, j'ai oublié d'acheter un atout très essentiel, donc il va falloir que je fasse attention. Bon, normalement, ça devrait être easy. Hop, hop. Il va falloir que je fasse 1500 points pour acheter le PhD Flopper. Donc le PhD Flopper, c'est celui-là, là-bas. Donc, ce qui va me permettre d'être insensible aux coups, aux bombes, en fait, tout simplement.
Vous voyez, c'est vraiment très efficace cette arme. Vous allez vite faire remplir votre soucoupe. Donc c'est pour ça que je vous conseille cette arme-ci. Donc je crois qu'il vous faut aussi une vingtaine ou une trentaine de zombies à tuer pour alimenter, pour que la radio soit assez alimentée. Donc faites pas comme moi, achetez directement des développeurs pour être tranquille. Donc là il coûte 1500. Voilà. Bon, va falloir que je passe cette manche parce que cette manche elle comptabilise pas. Les clowns ne sont pas comptabilisés comme des zombies. Donc ça c'est un peu dommage. On va vite finir cette manche. Donc regardez, je vais tuer des clowns juste en dessous mais ça n'alimente pas. Ok, n'hésitez pas à tirer partout parce que là vous avez PhD flopper. Regardez, je peux le tirer par terre. Ça ne me tue pas. Là je vais recevoir des munitions donc au calme. Hop. Édition Max. Bon, elle est où cette soucoupe? Elle est là-bas. Ah voilà, regardez, elle est finie. Donc arrêtez de tuer les zombies. Vous arrêtez direct de tuer des zombies. Et vous allez voir une petite astuce. Hop. Pour pas racheter de noyaux obscurs à chaque fois. Parce que là, comme il y a un objet, un effet sur mon arme, bah, je peux plus tuer pour les autres vaisseaux. Il faut que je rachète un noyau obscur. Donc, pour ne pas racheter un noyau obscur, vous allez directement dans le pack à punch. Et vous mettez votre truc. Ah non, je peux pas. Attendez. Ouais. Oh là là. Je vais aller envers le truc là, ça ne va pas ça. Donc avant d'aller dans le pack à punch, il faut que vous alliez dans le croco. Et vous tirez sur le quatrième. Donc là moi c'est le shredder que je fais là. Donc c'est le quatrième, hein, la quatrième cible dans la gueule du croco. Ensuite, vous allez dans la gueule du croco, vous appuyez sur carré et vous ressortez. Donc si vous n'avez pas le temps, vous y retournez, vous appuyez sur carré, comme ça là vous aurez totalement le temps parce que le piège ne s'enclenchera pas directement. Donc moi je vais finir cette manche parce que je peux plus retourner au pack à punch. Ouais bon bah peut-être vaudrait mieux que je les cut parce que je vais quand même garder les munitions. Voilà. Donc un chargeur, on le prend pour cette arme là. Donc là on voit toujours que j'ai toujours le fait. Ouais c'est normal parce que je l'ai pas encore été posé. Mais quand vous aurez été posé le... Donc on va les faire hein. Bientôt disponible. Ok, je peux pas encore le prendre. Voilà, je peux le prendre. Hop. Donc là je vais déposer. Voilà, l'effet dans l'arme. Donc c'est possible qu'avec un bug visuel vous voyez toujours l'effet, mais tant qu'il est posé vous êtes sûr qu'il est posé, donc il n'y aura pas de... ça marche, ça fonctionnera, ne tracassez pas. Donc là je vais aller faire le deuxième, vous le faites dans l'ordre, hein. Moi je le fais dans cet ordre là comme ça, je vais le faire comme ça. Donc là la fusée, enfin le vaisseau il est là, il fait souvent des allers-retours ici, entre la sortie et l'entrée. Allez hop. Vous voyez c'est assez easy. Ça va tout seul. Vous tuez la soucoupe, vous tuez les zombies.
C'est possible qu'elle fasse une autre trajectoire. Hein. Je fais pas toujours la même trajectoire chez tout le monde. Ou au bout d'un moment, elle change de trajectoire. Donc voilà, là elle est finie. On prend l'effet. Hop. On a pas l'air de bien vouloir faire là. Donc le premier effet que j'ai fait, c'était un effet de feu. On va prendre l'argent. Bon, on va tuer ces 4 zombies là parce que de toute façon c'est les derniers. On va prendre le chargeur. Et là, vous retournez au croco. Donc là, le premier effet, c'est un effet de feu. Cet effet-là, c'est un effet où les balles, elles rebondissent. Mais bon, comme vous avez une arme explosive, l'effet, vous... Enfin, voilà, je peux pas vous le montrer parce que... S'il faut le faire avec des armes, avec des balles, des armes explosives... Enfin, voilà, je vais tirer, la balle, elle va pas rebondir. Donc là, j'ai fait le troisième. Donc là, il y a encore un gros... Je vais essayer de prendre mon truc. Allez, sans tuer les zombies parce que sinon parce que j'en ai besoin. Hop. Ah, vous prenez le TP. Vous allez dans le pack à punch. Et vous mettez le deuxième. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que j'ai toujours l'effet au bout de mon arme. Parce que ça, c'est un glitch visuel. Donc voilà, vous préoccupez pas. Vous savez que vous l'avez mis dans le pack à punch. Donc c'est bon. C'est emballé, c'est pesé. Vous allez voir le exquisite. Franchement, il en vaut la peine. Hein. Donc là, on va faire le dernier, l'avant-dernier vaisseau. Où est-ce qu'il est? Il est là, il arrive. En même temps, on va tuer cet enfoiré. Ah, on s'en fout. Ah si, c'est moi, on va le tuer. Oh là 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 là. Il est chaud. Voilà, nickel. Il est mort. Maintenant j'ai plus de zombies. Là j'ai une carte mission, c'est parfait. Cette gaffeuse auto-tamponneuse. Il n'y a plus le vaisseau. Je l'entends plus. Ah c'est bon, elle est là. Hop. Donc pareil que pour les autres. On va prendre le TP. On va aller au croco. Et puis après on va aller au pack-a-punch. Donc si vous êtes à 4. Ce que je vous conseille. C'est d'être, si vous êtes à 2, à 3 ou à 4. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aider vos collègues à faire le premier étape, donc le piège. Pour alimenter la soucoupe, pour qu'elle change sa trajectoire, il faut vaut mieux que vous soyez avec votre pote, parce que sinon il va galérer.
Voilà. Faut toujours aller chercher le joyau. Sinon vous pourrez pas mettre votre élément dans le pack à punch. Donc voilà. Encore un et c'est fini. Donc le dernier, il se trouve au port là. Pour l'arpec. Donc je vais prendre des munitions. Voilà, nickel. Ouais, je prends des munitions et il m'en donne. On va quand même le prendre. Ok, il en faut encore. Donc c'est assez rapide, hein. Bon, là, vous montez vite dans les manches, mais bon. Le Exquisite, je trouve qu'il en vaut la peine parce que vous allez voir tout ce qu'il va faire. Voilà, c'est fini. Elle est là. Hop. Donc là, on va aller au croco. Et en fait, le Exquisite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ralentir. Quand vous allez tirer sur un zombie, il va devenir mauve. Donc, il va être ralenti. Il va subir des dégâts un peu comme le feu. En fait, c'est un peu des quatre effets en même temps. Donc. Donc ça c'est un truc à piège, hein. Enfin un effet électrique. Franchement, ça en vaut vraiment la peine. Vous allez voir. Enfin je ne vais pas vraiment vous montrer l'effet parce que j'ai une arme explosive. Donc là vous mettez le dernier élément. Il y a une petite boule qui s'est barrée. Là on voit qu'il y a les quatre éléments, là c'est nickel. Ensuite vous retournez dans la gueule du croco. Et là, vous payez ces 2000$ et vous avez un élément mauve comme ça. Donc vous pouvez voir que j'ai plus de munitions dans mon chargeur. À la place de 15, j'en ai 19. Donc ça augmente la capacité du chargeur. Ça augmente les dégâts. Ça augmente ça fait plusieurs effets en même temps. Donc ça ralentit le zombie. Ça lui cause des dégâts. Donc franchement, c'est un très très bon... très très bon truc, quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Ciao ciao les potes.